retourner là-bas. Ils sont partis en finale l'année dernière. Et à cette reprise, la même saison. Donc c'est un plaisir de retrouver le professeur à Berne en 2016. Je félicite les joueurs et encore cette équipe de la Guadeloupe qui nous pousse à travailler. C'est encore dans l'équipe de la Guadeloupe de l'équipe de la Guadeloupe. On est obligé d'élever notre niveau pour pouvoir gagner ce résultat. Donc nous félicitons les joueurs qui vont suivre les consignes à la lettre. Félicitations aux joueurs et félicitations aux prochains joueurs. Oui, la Guadeloupe a commencé. C'est la Guadeloupe qui a eu son temps fort en 2002. Vous savez, en basket, chaque équipe a son temps fort. Et l'autre équipe est en temps fort. On a de la Guadeloupe en temps fort. On les suivait de près. Ils nous menaient de rentrer à la mi-temps, malgré qu'ils étaient dans le temps fort. On savait qu'au troisième quart-temps, on allait revenir sur eux. Parce qu'on dit, en basket, le temps fort change. On savait qu'on allait avoir notre temps fort. On l'a eu, on l'a exploité. Les joueurs ont suivi les consignes à la lettre. Alhamdulillah, on est venu sur le coach de base et les joueurs. Notre objectif cette saison, ce n'était pas la course Saint-Michel. Dès le début de saison, on s'est dit que cette année, on avait le championnat et la Coupe du Sénégal. L'objectif était clair, très clair. Donc on va continuer à s'entraîner. Nous restons campés sur le championnat et la Coupe du Sénégal. Les Sotams n'ont jamais joué de demi-finale de l'équipe est montée en 2011. Et nous n'avons jamais joué de demi-finale de l'équipe. Cette année, on a envie de jouer de demi-finale de l'équipe. Et après, on verra la suite. Et pour la Coupe du Sénégal, on a joué la finale une fois. Cette année, on a envie de jouer de demi-finale. L'objectif depuis le début de saison, c'est ça. Le championnat et la Coupe du Sénégal. Je vais faire qu'on a remporté cette poussière de sol. Alhamdulillah. Et l'objectif reste le championnat de la Coupe du Sénégal. Mais ça ne va pas être facile. Parce que cette équipe de la Guadeloupe va revenir très fort. Il y a aussi Saint-Luc et le Duc. Ça ne va pas être facile. Mais on va travailler, élever le niveau pour pouvoir réussir notre objectif.